jouer son dernier match de la saison à l'extérieur, voulait faire plaisir à ses supporters. Ça a été fait. Une victoire 1-0 face à Lorient grâce à un but de Cavani, l'homme providentiel qui permet à la sélection de se terminer 3e. Lorient termine le championnat à la 11e place. Sochaux jouait la 4e place, c'est raté, mais termine 5e grâce à une victoire 5-0. Cependant, le premier but est inscrit par Matos Vivian à la 25e avec un doublé à la 44e. 6 minutes plus tard, Justin inscrit un but contre Zoncon, 3-0 pour Bordeaux, plutôt pour Sochaux. Puis 4 grâce à Cheikh Diabaté contre Zoncon, il ne l'a pas fait exprès. Puis 5 avec la bourde de Cédric Carasso, le grand frère de Jean Carasso. Bordeaux est relégué en Ligue 2. Sochaux termine 5e. Le stade de Reims termine lui le championnat à la 17e place malgré sa défaite contre Metz 1-0. L'unique but de la partie inscrit par José Luis Palomino. Evian l'emporte 1-0 face à Monaco grâce au seul but de la partie inscrit par Yaslin Tereda. Ouais, bien. Dernier match de la saison à domicile pour Nantes qui voulait faire plaisir à ses supporters, s'est raté malgré la défaite. Et cependant, les supporters nantais ont accueilli leur héros. Toulouse ne joue pas le maintien, au contraire de Nice qui menant 3-0, 5 minutes 4 buts à 3. Les trois premiers buts sont tous inscrits par Darius Milicic au 29e, 54e et 63e minute. Martin Brassouet a sera doublé au 79e et 80e minute. Ben Yedder sauve le sien à la 89e et 95e minute. Victoire de Toulouse, 4-3. La Saint-Etienne qui lui est 16e va terminer 16e. Quand termine le championnat de la 4e place grâce à ce coup franc de Julien Ferret. Valenciennes joue le titre, Valenciennes ne sera pas champion. Pire, Valenciennes termine 2e après avoir été leader pendant 35 journées. Le premier but est inscrit par Guillaume à la 25e et l'égalisation de Guingamp à la 26e va tout changer puisque Valenciennes perd la première place au profit du Paris Saint-Germain. Le Sporting Club de Bastia voulait bien terminer la saison à domicile, ça s'est mal passé avec une défaite 1-0 contre le Racing Club de Lens, le but de Pablo Chavarria. Lens termine 8e, Bastia 14e. Enfin, Lyon qui jouera en Domino's League de la semaine prochaine termine mal sa dernière en Ligue 1. Pourtant, c'est Clinton G qui ouvre le score à la 24e. Mais Lucas redonne l'avantage par deux fois au PSG. Il égalise d'abord à la 41e, puis donne l'avantage à la 76e. Le PSG est finalement champion. Le PSG termine finalement champion avec 542 points, la meilleure attaque, 54 buts marqués. Pourtant, Valenciennes a été leader, mais termine le championnat à la 2e place. Ajaccio termine 3e, Lens 8e, Lille 10e devant son voisin Nordis. L'AS Monaco fait un championnat quelconque, même voire anonyme avec ce championnat. Avec la 10e place au final. Lorient termine le championnat à la 11e place. Evian termine 12e. Bordeaux et Lyon joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Nice jouera les barrages contre Laval le dimanche 15 septembre et le samedi 21 octobre.